Maurizio Minghella, le tueur de Turin. Maurizio Minghella est né en 1958. C'est un criminel et un tueur en série italien condamné à 200 ans de prison pour une série de meurtres, pour l'instant 10 meurtres, reconnus envers des prostituées entre 1978 et 1997-2001. Maurizio Minghella est né dans la ville de Gênes, un 18 juillet. Gênes est une ville portuaire touristique qui se trouve sur la mer de Ligurie. Jeune, Maurizio vit avec ses parents dans le quartier de Bolzaneto, dans la vallée de Polcevera, à l'ouest de Gênes. C'est lorsqu'il a 6 ans que sa mère se sépare de son mari, avec qui elle a 4 autres enfants. Elle se met alors en ménage avec un homme qui ne supporte pas les gamins et les bat pour tout et pour n'importe quoi. Maurizio commence à nourrir une haine profonde pour ce beau-père alcoolique dont il dira plus tard « Je rêvais de le tuer en serrant une corde autour de son cou. » À 12 ans, orphelin de père puisque son père vient de mourir, il redouble en primaire et se montre un élève turbulent. Enragé, il tente à plusieurs reprises de couper la respiration de ses camarades en leur bouchant le nez ou la bouche. Il quitte l'école rapidement avant de finir le cursus normal et se met à faire des petits boulots. Il sera en effet un temps carreleur et en parallèle se mettra à voler des scooters, des motos, des Fiat 500 ou 850 pour faire le fou sur les routes du Val Polcevera et ses environs. C'est aussi un dragueur invétéré et il a toujours des filles avec lui. Amoureux du disco, ses amis et connaissances le surnomment très tôt le Travolta de la vallée Polcevera. Maurizio aime aussi la boxe et n'hésite pas à s'entraîner sur les garçons qu'il rencontre, ce qui lui vaut de se faire renvoyer. Il va être confronté très vite à la mort, celle de son père, comme je l'ai dit plus tôt, mais aussi celle de son frère qu'il adore et qui va mourir dans un accident de moto. À partir de cet épisode, Maurizio Minghella va commencer à développer une attraction morbide pour la mort. Réformé du service militaire pour cause de troubles mentaux, il épouse sur un coup de tête en 1977 Rosa Manfredi, âgée de seulement 15 ans, qui est accro aux psychotropes. Le mariage est cependant de courte durée. La jeune femme meurt en effet d'une overdose de drogue alors qu'elle est tombée dans la dépression après avoir perdu leur enfant dans une fausse couche. Cet événement traumatise un peu plus Maurizio Minghella et sa personnalité fragile. Le 18 avril 1978, il commet son premier meurtre en s'en prenant à une prostituée de 20 ans, Anna Pagano, qui habite Gênes. Il l'étrangle et cache ensuite son cadavre près de Trensasco, un petit hameau de la ville de Sant'Olcese. Le corps est retrouvé par des bergers qui appellent aussitôt les carabiniers, mais les gendarmes ne peuvent que constater la réalité des faits. Anna a la nuque brisée et elle a été torturée. Maurizio Minghella a laissé un stylo à billes coincé dans son anus. Mais pour éviter de se faire arrêter et induire les enquêteurs dans l'erreur, il a pris soin d'écrire les mots « Brigate Rose »,« Brigade Rose », au lieu de « Red Brigade »,« Brigade Rouge ». Mais la police ne se laisse pas avoir. Le 8 juillet, il assassine Giuseppina Gerardi, elle aussi de Gênes, de la même manière qu'Anna, et cache cette fois le cadavre dans une voiture volée et abandonnée. 10 jours plus tard, c'est au tour de Maria Catena Alba, dit Tina, 14 ans, qui est retrouvée nue à Valbrevena le lendemain, son corps attaché avec un garrot à un arbre. Le 22 août, après avoir passé une nuit en discothèque, il tue Maria Strombelli, 21 ans, une vendeuse d'origine de la ville portuaire de Bari, dont le corps est retrouvé 3 jours après sa disparition en périphérie de Gênes.
Sa dernière victime pour cette première période de meurtre sera Wanda Skera, 19 ans, une amie de Maria Strombelli, et son corps sera découvert dans l'escarpement qui longe la voie ferrée Gênes-Milan. La jeune femme a été violée et elle aussi étranglée. Maurizio Minghella est arrêté dans la nuit du 5 au 6 décembre 1978. À peine arrive-t-il en garde à vue qu'il avoue les meurtres de Strombelli et de Skera, mais se montre moins disserte quant aux autres et refuse même d'en endosser la responsabilité. Une expertise calligraphique qui doit étudier les mots laissés par le meurtrier sur le corps d'Anna Pagano et l'écriture de Minghella est lancée. Les carabiniers pensent que le stylo retrouvé lui appartient, ainsi que la paire de lunettes laissées sur les lieux d'abandon du corps de Tina Alba. Une expertise psychiatrique demandée à l'université de Gênes révèle qu'il possède un QI de seulement 70. Le 3 avril 1981, il est condamné par la cour d'assises de Gênes à la réclusion à perpétuité pour les 5 meurtres et envoyé à la prison de haute sécurité de Porto Azzurro. Incarcéré, il se déclare innocent et le père Don Andreu Gallo, un prêtre catholique, va demander la révision du procès. Finalement, en 1995, il a alors 37 ans, il obtient sa semi-liberté et est transféré à la prison Valette de Turin. Il rejoint alors la communauté du prêtre Don Ciotti et travaille comme charpentier dans l'une des coopératives du groupe Abelle. En mars 1997, il profite de cette semi-liberté pour reprendre ses mauvaises habitudes en s'en prenant à une prostituée de 53 ans, Loredana Marchiaro, au domicile de celle-ci dans la rue principale Tommaso à San Savario, dans un quartier de Turin. 2 mois après, il tue une prostituée marocaine de 27 ans, Fatima Ndidou, qu'il étrangle avec la dentelle d'un maillot de sport après l'avoir battue et violée. Durant quelques mois, il parvient à se réfréner avant de succomber à nouveau à ses démons le 14 février 1998 à Rivoli, toujours à Turin, en assassinant une prostituée albanaise de 29 ans, Floretta Islami, qu'il étrangle avec un foulard. Le 30 janvier 1999, nouveau meurtre, celui de Cosima Guido, 67 ans, surnommée Gina, qu'il étrangle avec un foulard dans l'appartement du centre de Turin où elle reçoit ses clients. Comme pour les crimes de 1978, il va laisser derrière lui des traces d'ADN sur des morceaux de papier qui vont tomber dans les escaliers de l'appartement. C'est au tour ensuite de Florentina Tina Motok, 27 ans, mère de 2 enfants, de périr, tuée dans la nuit du 16 au 17 février 2001, brutalement battue au visage et à la tête. Maurizio Minghella, pour tenter d'effacer ses traces, se débarrasse des vêtements de la jeune fille en les brûlant. Ce sera le dernier meurtre de Minghella. Ses traces d'ADN, ses empreintes digitales complètes ou partielles retrouvées sur les lieux du crime, le modus operandi, le créneau horaire des meurtres, après 17 heures, conduisent les carabiniers une nouvelle fois vers Maurizio, qui se fait arrêter le 7 mars 2001. Les policiers vont retrouver chez lui les téléphones portables de ses victimes. Son propre téléphone va d'ailleurs borner dans la zone de son dernier crime. Conduit à la prison de Valette au printemps 2001, il tente de s'échapper en passant par la buanderie, mais ne parviendra même pas à atteindre le premier mur d'enceinte. Enfermé ensuite à la prison de Biella, il est hospitalisé le matin du 2 janvier 2003 pour des douleurs dans la poitrine et au bras, laissant augurer d'une crise cardiaque. En fait, il s'agit d'un leurre, car il en profite pour s'échapper par la fenêtre de la salle de bain. Il ne va cependant pas rester longtemps dehors, car il est arrêté le même soir à 22h près de la gare. Il sera soupçonné de 10 meurtres de prostituées, mais ne sera condamné que pour 4 d'entre eux le 4 avril 2003. La cour d'assises de Turin le condamne à la perpétuité pour le meurtre de Florentina Motok et à 30 ans de prison pour les assassinats de Cosima Guido et Fatima Ndidou. Il sera également reconnu coupable de vol, d'enlèvement et d'évasion. Aujourd'hui, Maurizio Minghella est enfermé à la prison de Pavie. Mais il s'est probablement rendu coupable de plusieurs autres meurtres qui ne lui ont pas été encore imputés par la justice, ou du moins que la justice n'a pas pu lui mettre sur le dos et qui n'a pas reconnu. Ce sont 7 femmes qui ont été tuées entre 1996 et 2001. Il s'agit de Floretta Skup, 23 ans, Nadia Cheu, une Albanaise de 22 ans,
Carolina Gallone, 70 ans, Loredana Marchiaro, 53 ans, Eriona Souledjami, 16 ans, étranglée dans un bois, Atli Elisa Isaku, 22 ans, et Ebe Romano, 35 ans, tuée au bord d'un ruisseau. En 2004, le procureur de la République de Turin a été contraint de demander l'archivage de ces cas. Le dossier de Nadia Chehou est parmi les plus emblématiques des sept. Elle a été en effet retrouvée à l'aube du 1er août 1997 et entre parfaitement dans le modus operandi du tueur. En effet, son corps était allongé entre des chiffons, des déchets et des bouteilles cassées sur le sol d'un ancien concessionnaire Alfa Romeo devenu un refuge pour les désespérés et les toxicomanes. Nadia Chehou s'est défendue de toutes ses forces. Sa mini-jupe rose était relevée, son haut rouge déchiré qui laissait ses seins à découvert. Elle fut étranglée avec la bandoulière de son sac à main, mais les traces génétiques trouvées sur les lieux se sont révélées trop faibles pour tenter une comparaison. Même les empreintes digitales, bien qu'elles coïncident en certains points avec celles du tueur en série, étaient partielles et donc inutilisables. Si vous avez aimé ce portrait, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et également de vous abonner à notre chaîne. Je vous dis à bientôt sur psycho-criminologie.com.